Allez, il est 23h30 et demain, je vous embarque avec nous pour faire ce que l'on appelle un booking, c'est-à-dire venir vous voir dans toutes les discothèques de France. On fait ça depuis 3 ans maintenant avec Shana et j'avais de montrer comment ça se passe de A jusqu'à Z jusqu'à qu'on arrive dans votre boîte de nuit. Donc là, on va se coucher parce que demain, on a le réveil à peu près vers 10h, c'est ça. Donc je vous dis bonne nuit et à demain pour Limoges. Allez, c'est parti, le réveil est très difficile. Une petite douche, un petit déjeuner et c'est parti pour Limoges. Let's go! Allez, c'est parti, on vient d'arriver à Paris, maintenant en direction Gare d'Austerlitz, un petit taxi parce que Limoges c'est très mal desservi. Et on a le train, je viens de regarder, à 18h, donc il va falloir qu'on attende 3h puisqu'il est 15h. Et voilà, et après on prend le train 3h, allez c'est parti, direction le taxi, Limoges c'est trop mal desservi. Ça y est, on est dans le taxi direction Gare d'Austerlitz, c'est parti. Allez, ça y est, on est arrivé à la gare d'Austerlitz. Maintenant, ouais, on en a pour 3 heures d'attente. C'est parti. Bisous. Il est 4 heures. Non. Il est 4 heures. Ah oui, il est 4 heures. Il est 4 heures et on a le train à 18h11. Voilà. Et il fait pas très chaud à Paris. Super, mais c'est pas grave. Mignon. On attend. Moi on qui n'a pas le temps en même temps, tu comprends ce qu'on fait. C'est pas Il fait un peu froid quand même, hein. Maintenant il n'a plus que 3 heures de train, c'est bon. On a les prochaines téléportations dans le train. C'est parti pour 3 heures de train. Il est 21h40, on vient d'arriver à Limoges. On est parti à midi. Ça nous a duré du coup 9h40, si mes calculs sont bons. Voilà, pour venir à Limoges. Allez, rendez-vous à l'hôtel ou au resto, je sais pas. Yeah. Ouh. Ah. Putain, j'étais si dingue. Direction le resto. Santé, froid. Il est 23h30, on vient de finir de manger, on est remonté dans la chambre d'hôtel et là on va se reposer parce que à 2h du matin il faut qu'on aille dans la boîte de nuit pour tout casser. Donc une petite douche et un petit dodo et rendez-vous à 2h du matin, c'est parti. Exactement. Il est 1h30, on va descendre. Et c'est parti pour la boîte de nuit à Limoges. Une petite demi-heure de voiture et on arrive à la boîte. Enfin. Allez, ça y est, on vient d'arriver. Ils sont chauds, la musique est là. On va boire l'apéro gentiment. J'ai dans la voiture, mais je vais me réveiller. Arrête. On va boire l'apéro gentiment et la soirée ne fait que commencer. Let's go, les gars.
frappé, on est venu de Marseille pour tout casser. Et ça repart. Allez. Ça y est, la soirée est terminée, direction l'hôtel. Trop fatigué, mais c'est pas grave, c'était la folie, on s'est régalé. Limoges, vous êtes au top. En tout cas, téléportation parce que là, dodo play. 5h30, soirée terminée. Allez, bonne nuit à tous. À demain. Bisous. C'est le réveil. Un peu fatigué. C'est reparti pour le chemin inverse. Oui, c'est vrai. Oui, à de suite pour le petit déjeuner. Super. Super. Allez, c'est parti. On va où là? Eh ben, on va prendre le train. D'accord. On a fait combien de trains? Là, il est très exactement 13h30 et on va arriver à l'aéroport à 21h. Plus, après, on a de la route pour rentrer à la maison, donc on va rentrer vers 23h, je pense qu'on sera à la maison. 22h, hein. 22h. Et ça, c'est beau. On a dormi un peu. Mais j'ai pas envie de marcher bien, on va dans le train direct. Hein. Allez, ça va. Vas-y. Ça y est, on est enfin arrivé à Paris. Maintenant, on va prendre un taxi et c'est direction l'aéroport encore Orly pour encore une heure d'avion et ensuite on arrive à Marseille. Yeah, ça y est, on est arrivé à l'aéroport. Maintenant, on a combien de temps d'attente? Une heure et demie, 2 heures à peu près. Allez, plus qu'une heure et on fait, on arrive à Marseille. On embarque quand même à 20h. On est parti de l'hôtel là. 13h. On n'est pas arrivé encore. Mais bon, ça va. Il y a plus dur quand même. Mais c'est difficile un petit peu. Ouais, la casquette. Il est 21h25 et la température est de 13 degrés. Votre ceinture de sécurité doit rester attachée jusqu'à l'extinction de la consigne à l'unus. Vous pouvez utiliser dès à présent vos téléphones et autres appareils. On est au parking, on récupère la voiture et direction la maison. La maison, retrouvez le Bebs. Oui. Rendez-vous à la maison pour les retrouvailles avec Gizmo Bebs. Il est en ce moment même avec sa mamie, c'est-à-dire sa maman. À elle. Ma maman à moi. C'est-à-dire sa maman. À lui, c'est moi. Donc on va retrouver notre petite bête. J'espère qu'il va nous faire la fête. Dis petit bête. T'as fouillé ça. Ma mère, il y a des trucs partout. Oui. On va retrouver ses parents. C'est la fête. Oh là là, oui. Oh, ça a retrouvé sa petite famille d'amour. Ça dormait sur le canapé. Salut. Allez, ben voilà, vous avez suivi avec nous ce que c'est qu'un booking. Donc ça fait 3 ans qu'on fait ça, voilà. C'est un plaisir de venir vous rencontrer dans toutes les discothèques depuis 3 ans. On se régale à vous rencontrer. C'est une tuerie, on fait la fête avec vous et ça c'est beau.
parce que se voir sur les réseaux sociaux, c'est super, mais en vrai, c'est encore mieux. On vous fait un gros bisou. Merci d'avoir suivi cette vidéo encore une fois. Je vous embrasse. Gros bisous. Et bisous. Comme on dit chez nous, au revoir le bête. I'm doing it really, really, really though. Big dreams, I want big though. Clubbing all night, champagne popping, get it faded.